d'une arnaque qui a visé Critère. Alors, il y a quelques jours, ont été noyés des téléphones portables, encore une fois, de nouveaux messages, eh bien, expliquant que vous avez été repéré par des agents, des policiers, en tout cas par des autorités qui se sont rendues compte que vous n'aviez pas, en France, mais aussi en Belgique, mais aussi dans certains pays où cette vignette permet de circuler dans certaines communes, je prends l'exemple de Bruxelles par exemple, mais on peut prendre aussi en France Lyon, Paris, Lille, peu importe. Il faut cette vignette parce que ça permet de lutter contre la pollution, en tout cas empêcher des voitures polluantes de rentrer dans des zones urbaines qui pourraient accentuer cette pollution. Regardez à qui on a affaire, notre petit escroc, ou c'était une femme, on n'en sait rien, en tout cas c'est une bande, ça c'est sûr. Le 2 octobre, ils avaient lancé un faux site dédié à santéamélie.com. Et ils ont lancé aussi un autre site dédié à la CPAM, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.